Alors, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Donc, je suis Marina Petrovic, votre conseillère en immobilier Optimum. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Gaëlle Guinchard. Bonjour Gaëlle. Bonjour Marina. Donc Gaëlle, tu es praticienne bien-être. Oui, c'est ça. Voilà. Et ton cabinet donc, de bien-être est situé 64 bis avenue Carnot à Lure. C'est exact. Voilà. Donc, tes prestations, donc en fait, c'est le massage facial japonais Kobido. C'est ça. C'est ça. Et le massage Attention. de pleine attention, Oui, pardon. Donc, ils sont des prestations complètement différentes. c'est exactement ça. Voilà. Et tu vas nous expliquer tout ça. Voilà, parfaitement. Je suis ravie de vous expliquer les prestations que je propose. Donc, je propose deux prestations, donc, comme tu l'as dit, qui sont le massage facial japonais Kobido, qui est un massage facial ancestral dans la tradition du Japon. Ouais. Et le massage de pleine attention. Donc, j'ai préféré en fait limiter à deux prestations pour que les gens ils aient, comme dirait l'autre, trop de choix. Voilà, Plus de c'est choix. ça. Exactement. Voilà. Très bien. On va parler du massage facial Kobido. Donc, est-ce que tu Oui. peux également nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un massage donc du visage, liftant du visage, ancestral japonais. Donc, ça allie plusieurs techniques donc avec les mouvements des mains, donc au niveau des doigts. Donc, en fait, je vais pratiquer donc au niveau du décolleté, donc un lissage, dépétrissage au niveau du visage, pour que ça ait un effet donc liftant. Voilà, donc c'est bien fait. On arrive là. Donc, c'est bien fait du massage Kobidos, donc ça tonifie la peau, ça revitalise le collagène. Donc, ça booste le collagène au D'accord. niveau du visage et ça effectue aussi un lâcher-prise au niveau du mental, mais D'accord. aussi de la tête aux pieds, puisqu'après, avec ce massage, on va travailler au niveau des méridiens. Ouais. Voilà, les méridiens, qu'est-ce que c'est? Oui, Les c'est gens me ça, c'est posaient ce que la j'allais question. dire. Donc, en fait, si on parle en termes énergétiques, donc on va faire des points d'acupression, donc Ouais. là, au niveau du front, au niveau du menton, ici. Sous la lèvre et puis au niveau du troisième œil. Voilà. D'accord. Donc ces méridiens, en fait, quand on va travailler là-dessus, ça va drainer. Donc ça va drainer donc de haut en bas. Ça va effectuer un drainage lymphatique au niveau du visage, donc justement pour permettre d'enlever toutes les toxines. D'accord. Voilà. C'est ce que je peux dire. Donc moi j'ai testé pour vous le massage facial Kobido et je vous mettrai un petit extrait de la vidéo. Alors Gaëlle, du coup, à qui s'adresse le Kobido? Alors, le Kobido s'adresse principalement on peut commencer à partir de 25 ans. Voilà. Comme ça, un massage qui réduit les rides, etc. Après, il y a homme ou femme, peu Oui, peu importe. importe. Voilà, parce qu'on sait pertinemment que les hommes maintenant, Oui, maintenant ils prennent soin d'eux. ils prennent soin d'eux. Donc, c'est un massage parfait pour les personnes qui ont besoin de reprendre confiance en elles. Voilà. Après, si elles ont un événement particulier de type anniversaire ou mariage, Voilà. voilà, il faut que, par contre, qu'elles viennent la veille Oui. pour le massage. Voilà. Si elles souhaitent faire des séances un peu plus poussées, donc il faut qu'elles commencent une séance
par semaine, voire deux pendant 3 mois. D'accord. Pour que ça soit efficace. Oui. Mmh. Et puis après, une séance par mois. D'accord. Voilà. Alors du coup, quels sont les bienfaits de ce massage ? Alors les bienfaits, donc comme je le disais, ça tonifie la peau, ça repulpe la peau et ça booste le collagène naturellement. Ouais. Voilà. Et ça prévient aussi des rides futures. D'accord. Donc, ça va, je pas trop. Voilà. Donc je pense, c'est pour ça que j'expliquais qu'on peut commencer sur à partir de 25 ans. Oui, voilà. Et puis du coup, ben, ça évite de passer par tout ce qui est chirurgie esthétique. Oui, voilà, de, ça reste naturel donc, pour les personnes qui aiment le naturel, c'est ce qui est mieux. Donc Gaëlle, tu fais également les massages de pleine attention. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence, qu'est-ce que c'est, surtout entre un massage en fait traditionnel? Alors, le massage de pleine attention, donc la différence avec les massages qui se pratiquent en institut, donc c'est un massage quand même qui est basé sur un massage californien, mais il faut que le praticien il soit plus à l'écoute de la personne massée, donc la personne qui est sur la table. Et inversement, la personne qui est aussi sur la table est actrice de son massage. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'elle va devoir aussi se sentir dans son corps, prendre conscience de son corps, en fait, et prendre conscience de tout son être. Donc, c'est quand même un massage qui est personnalisé. Oui. Voilà. Et puis aussi, ben, ça se pratique dans un espace évidemment qui est confortable, donc avec à l'aise chauffante, avec une huile neutre pour les personnes qui pourraient être, avoir des problèmes voilà, de d'allergie, poser la question, et sécuriser. Donc il faut que la personne ben, soit en confiance avec ben, moi, la praticienne. Et du coup, je sais plus. J'invite la personne, donc c'est ce que je disais, à écouter son corps et à ce qu'il se met en œuvre en fait chez elle au cours de la séance. Voilà, donc ben, en ce qui me concerne, moi ça va être un accompagnement quand même par rapport à l'état intérieur de la personne. Parce que en début de séance, je vais poser quand même la question à la personne comment elle se sent intérieurement. Donc, le jour là, hein, oui, à l'instant T, voilà, où elle arrive, qu'est-ce qui se passe pour elle? Est-ce qu'il y a des parties de son corps qu'elle ne souhaite pas que je touche? Sachant que je ne touche pas les zones sexuelles, ce n'est pas un massage érotisé. Oui. Voilà. Et ça se déroule en 4 étapes. Donc, c'est-à-dire que je vais faire une prise de contact pour commencer sans huile. Donc la personne est habillée. Non, la non, personne, pas encore. Voilà, la personne, oui, j'ai pas précisé, la personne se déshabille. D'accord. Voilà, donc on va faire une prise de contact donc pour que on se dise bonjour entre guillemets. Donc une prise de contact sans huile. Donc ça va être les chevilles, genoux, toutes les articulations au niveau du bassin. Ensuite, ça sera les épaules, les coudes. Et après, je vais faire l'huilage. D'accord. Donc, ça veut dire que la personne, déjà, va pouvoir se sentir déjà au niveau de la prise de contact dans son corps. Et quand je vais commencer à faire l'huilage, ça veut dire qu'on va commencer le travail. Et ensuite, après l'huilage, donc, ben, le massage de pleine attention va commencer. Donc, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Et dans un troisième temps, après le massage, donc, je vais couvrir la personne. À la fin du massage, et je vais l'inviter ensuite à se retrouver avec elle-même quelques instants pour qu'elle puisse intégrer toute l'heure qui vient de se passer. Et aussi, j'ai pas précisé, il faut pas qu'elle hésite aussi pendant la séance à dire ce qui se passe pour elle sur la table. C'est-à-dire, ben, au niveau des mouvements, au niveau du rythme, est-ce qu'il faut que j'aille plus vite, est-ce qu'il faut que j'aille moins vite. Au niveau des pressions, je vais quand même demander un retour. Est-ce qu'il faut plus de pression, moins de pression? Et ensuite, donc, c'est ce que j'expliquais à la fin du massage. Donc, je vais couvrir la personne et je vais l'inviter donc, à se recentrer au niveau de ses sensations. Donc, je vais quitter la pièce et je vais la laisser le temps qu'elle intègre le travail pendant quelques minutes avec elle-même. Et ensuite, quand je vais revenir, donc, si elle le souhaite, on fait un temps d'échange sur ce qui s'est passé pour elle, en fait. Ou pas, après, il y a des personnes après, qui souhaitent suivant pas. Oui, après, suivant ce que la personne veut. Voilà, et ensuite, il y a un temps d'essuyage. Comme ça, l'huile, pour éviter que les gens soient un peu... Oui, voilà. Voilà. Donc, il y a un temps d'essuyage et d'échange chez la personne. Voilà. D'accord. Tout simplement. Donc, quels sont les bienfaits, justement, de ce massage ?
Alors, les bienfaits de ce massage, ben, ça, déjà, un complet lâcher prise du mental, une détente réelle, donc par rapport Massage au classique. massage classique, et un relâchement aussi sur plusieurs plans, donc sur le plan physique, le plan émotionnel, sur le plan psychique. La personne massée va se sentir unifiée, en fait, ben, va ressentir la complétude, ben, par rapport à tout son corps, à tout son être. Et ben, du coup, on peut parler de réconciliation intérieure. Voilà, D'accord. pour terminer, je pense que c'est C'est déjà pas mal. les bons mots. Voilà, c'est les bons mots. Complétude, on se sent complet et unifié, parce que dans ce massage-là, je fais quand même beaucoup d'unification par rapport au corps, pour que la personne, du coup, ben, sente son corps complètement. Voilà. D'accord. Donc, merci Gaëlle pour toutes ces explications. Mais de rien, c'était avec plaisir. Ben, moi aussi. Donc, si vous voulez profiter des bienfaits donc, du massage Colido ou du massage pleine attention, n'hésitez pas à contacter Gaëlle. Elle fera un plaisir de vous accueillir. Oui. Donc, je vous mets toutes les coordonnées de Gaëlle dans le descriptif de la vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, à bientôt.